Il fait une belle après-midi fraîche et ensoleillée. L'air est pur et froid. Les feuilles et les baies étincellent sous le soleil d'hiver. Le petit bois grouille des préparatifs des souris pour la traditionnelle fête du milieu de l'hiver. Joyeuse fête du milieu de l'hiver, mon petit. Est-ce que tu as vu Primrose? Pardon, je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille au palais. C'est incroyable comme tout le monde s'agite. Je trouve ça fantastique. Oui, moi aussi, mais nous devons... Porter ce message à Primrose, merci, je sais. Les festivités commencent toujours à la tombée de la nuit, quand tout le monde se retrouve dans le palais du vieux chêne. En ce qui concerne Primrose et Wilfred, un de leurs plus grands plaisirs est de traîner l'immense bûche du milieu de l'hiver qui doit se consumer dans la cheminée. Attention, il faut que les cordes soient bien attachées. Absolument. Ces cordes doivent tenir sur tout le chemin qui conduit au palais du vieux chêne. Tu peux attraper cette corde, Wilfred? Allez, tire! Ouh, il était fou, c'est ma queue! Oh, pardon, excuse-moi. Un, deux, trois, on tire! Primrose! 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 Oh, grand-père! Grand-mère! Vous venez nous aider à traîner la bûche du milieu d'hiver? Oh non! Je suis bien trop âgé pour ce genre d'exercice. Mais crois-moi, quand il n'était qu'un jeune souriceau, ton grand-père était de loin le meilleur tireur de bûche de ce côté de la grande prairie. C'est vrai. Enfin bref, Primrose, ton papa... Veux te voir, ma chérie. Maintenant? C'est ce qu'il nous a dit. Mais pourquoi? Alors ça, il ne nous l'a pas dit. Tu veux venir avec moi, Wilfred? Maintenant? Attention! Mais je verrai pas tirer la bûche. Tu peux l'accompagner, nous ne serons pas prêts avant quelque temps. Dépêche-toi, ton père a dit que c'était très important. Le dernier arrivé au palais du grand chêne est un Igo. Bonjour, Basile. Bonjour, Wilfred. Où allez-vous donc si précipitamment tous les deux? Basile, tu veux bien nous aider pour la décoration? Il faut que tout soit absolument parfait pour cette grande fête. Tiens, en voilà pour toi aussi, Wilfred. Mais maman, on n'a pas le temps. Oh, bien sûr que si, vous avez le temps. Allez, Wilfred, tu attrapes ça et tu tires. Ah, allez. Oui. Oh là là, allez. Oui. Ah. On est là, papa. Primrose et Wilfred aussi. Parfait, c'est parfait. Il est arrivé quelque chose de terrible. Quoi? Mais vous deux, vous pouvez éviter un désastre. Comment? Le pauvre Conker a perdu sa voix. Je peux pas parler. Mais c'est terrible. Mais comment tu vas lire le poème du milieu de l'hiver? Je ne pourrai pas. Oh non! Alors, Primrose et Wilfred, voulez-vous bien nous aider à lire le poème du milieu de l'hiver pendant la cérémonie de ce soir? Non! Mais j'ai déjà un rôle à jouer, je dois m'asseoir sur la bûche. Wilfred, je n'ose pas croire ce que j'entends. Tu pourras t'asseoir sur la bûche une autre année, toutes les autres années. Je me permets de rappeler que c'est un très grand honneur de lire le poème du milieu de l'hiver. C'est vrai? C'est vrai. Surtout cette année, parce qu'avec Basile, nous allons avoir la joie de raconter l'histoire de Cumulonimbus, auteur de ce poème. C'est une histoire magnifique et on la raconte si bien. J'adore le passage où la princesse Rose... C'était une de mes ancêtres? Oh, très éloignée, bien entendu. Mais il est possible qu'elle ait vécu ici même dans ce chêne. Le passage où la princesse Rose et Cumulonimbus... Moi, je l'aime bien. C'est le premier à avoir osé quitter le bois pour explorer le monde. Et il a envoyé des lettres à la princesse Rose, celle qu'il devait épouser. C'est ce que raconte l'histoire. Oh, j'aimerais tellement que ce soit vrai. Vrai ou pas, le passage que je préfère dans cette histoire, c'est celui du poème du milieu de l'hiver. Ce qui veut dire que quelqu'un doit lire ce poème, Wilfred. Et ce quelqu'un, ça sera nous. Ah, bah alors je vais bien essayer de vous aider. Mais on ne le connaît pas par cœur. Pas de problème, nous allons l'apprendre. Viens, on n'a pas de temps à perdre. Bon, personne ne nous embêtera ici. Quand les jours raccourcissent, quand les nuits se rafraîchissent... Quand les jours raccourcissent, quand les nuits se rafraîchissent... Trop lourd.
trop léger. Ça devrait faire l'affaire. Bien. Allez, on recommence. Quand les jours raccourcent... Attention! Comment ça se présente? Faites pas attention à moi. C'est désespérant. On pourrait retourner près de la bûche. Je me demande s'ils ont déjà réussi à passer toutes les cordes. Oh, arrête! On ne peut pas se décourager comme ça. Il faut simplement trouver un endroit pour répéter. Viens demander à maman. D'accord. Et voilà une autre fournée qui ne demande plus qu'à être cuite. Et en voilà une bonne nouvelle. Je ne sais pas comment nous faisons pour manger autant, mais il ne reste jamais rien. Alors que Primrose et Wilfred entrent dans la cuisine du palais, leur museau est soudain titillé par la merveilleuse odeur des crèmes au miel et aux myrtilles. La maman de Primrose les prépare pour la fête du milieu de l'hiver. Bonjour, madame. Primrose, Wilfred, avouez que c'est fantastique d'avoir été choisi pour le poème du milieu de l'hiver. C'est un très grand honneur. Et c'est ce que tout le monde nous dit. Mais maman, on n'arrive pas à trouver un endroit tranquille pour répéter. Il est évident que le milieu de l'hiver n'est pas un jour tranquille. Attention, chaud devant. Pourquoi n'allez-vous pas dans le grenier de l'entrepôt? Il n'y a aucune raison que quelqu'un vienne vous déranger là-haut. Ça, c'est une idée formidable. Merci, maman. Pourquoi vous ne prenez pas quelques biscuits et du jus de myrtille au cas où vous auriez faim? Alors ça, c'est une idée encore plus formidable. Merci, c'est très gentil. Waouh, regarde un peu ça. Maman a raison, c'est l'endroit idéal pour répéter. Voyons. Quand les jours raccourcissent, quand les nuits se rafraîchissent... C'était à toi, ça? Oui, mais il y a longtemps que je n'y touche plus. Bon, alors on enchaîne. Quand le froid est cinglant, quand l'air est vivifiant... Wilfred? Oh, Wilfred! Attends, je veux voir ce qu'il y a là-dedans. Wilfred, on n'a vraiment pas le temps. Oh, c'est un paquet de lettres. Oh! Elles sont drôlement vieilles. Ouais. Tu veux un biscuit? Avant que je les mange tous. Non, merci. Je me demande ce qu'il y a d'autre là-dedans. C'est quoi ça? Oh, une clé. Hé, Primrose, il n'y a rien dans ce poème qui fasse allusion à des habits. Sors tes plus beaux habits pour éblouir tes amis. Eh ben, je lirai ce passage. Sors tes plus beaux habits pour éblouir tes amis. Hé, Primrose, où ça mène ça? Aucune idée. Vite, ouvre. Ah, je peux pas, c'est fermé. Oh, je vois des escaliers. Wilfred, s'il y a un trou de serrure, il doit y avoir une clé. Et je crois que je l'ai peut-être dans la poche. Oh. Ça marche. Le cœur battant la chamade, il hasarde un œil dans les ténèbres. Où pouvaient donc mener ces escaliers? Dis, on va voir ce qu'il y a tout en haut. Allez, viens. La lumière du jour s'estompe lentement au fur et à mesure que l'heure de la grande fête du milieu de l'hiver approche. Nos amis ont commencé à traîner la grande bûche vers le palais du grand chef. Allez, tire encore. Continuez, vous vous débrouillez très bien. On a rarement eu une aussi belle bûche. Nous allons avoir un feu dont on se souviendra. Je ne peux pas reprocher à Wilfred de vouloir assister à cette opération. Pour moi aussi, c'est ce qui est le plus excitant dans notre fête. Dis-moi ce que je préfère. C'est la première tasse de votre célèbre tisane du milieu de l'hiver que l'on déguste quand la première flamme apparaît. Ah, c'est trop gentil. Vous allez me faire rougir. Entre-temps, dans le grenier, Primrose et Wilfred montent les escaliers sans savoir où ceux-ci peuvent conduire. Soudain, ils se trouvent devant une mystérieuse porte. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, Wilfred. Ah,
Nos deux amis restèrent bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à eux. Où est-ce qu'on peut bien être ? Je ne sais pas. Je ne suis jamais venue ici. Tes ancêtres ont peut-être vécu ici il y a très longtemps. Wilfred, regarde ça. Ils seront parfaits pour ce soir. Sors tes plus beaux habits pour éblouir tes amis. Je me demande ce qu'il y a derrière. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, Primrose. Pendant que Primrose et Wilfred jouent les explorateurs, la grande bûche du milieu de l'hiver approche du palais du vieux chêne. Place à la musique maintenant. Basile, tu veux bien nous donner le la? Non. Oh non, non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai apporté ma lanterne, mais j'ai oublié mon violon chez moi. Je me dépêche. Ne te presse pas, Basile. On aime bien attendre ici. On pourrait même rester ici toute la nuit. Et regardez. Joyeux milieu de l'hiver. Joyeux milieu de l'hiver à toi aussi, bien sûr. Joyeux milieu de l'hiver. Pendant ce temps-là, Primrose et Wilfred découvrent toute une suite de salles secrètes. Une salle à manger, un boudoir, une petite cuisine et plusieurs chambres à coucher, dont une superbe chambre d'enfant. Oh, c'est fantastique! Celui qui habitait ici avait beaucoup de jouets et beaucoup de vêtements. Wilfred, tu pourrais porter ça ce soir? Ce serait parfait pour notre poème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regarde, qu'est-ce que tu penses de ça? Qui est-ce qui a bien pu porter ça? Qu'est-ce que t'en dis? Regarde ça. J'ai parié que ça doit gratter. Attends, je vais essayer ça. Je veux savoir à quoi on ressemble. Regarde. Waouh, pas mal. Fais voir ça. Oh, Wilfred, ils vont être drôlement surpris en nous voyant. Oh, mais il ne faut surtout pas leur dire où nous les avons trouvés. Il faut que cet endroit reste notre secret. Oui, bonne idée. Et maintenant, on répète. Je commence. Et tu fais ton entrée, d'accord? D'accord. Quand les jours raccourcissent, quand les nuits se rafraîchissent, quand le froid est cinglant, quand l'air est vivifiant. Il fait drôlement sombre ici. Tu sais que je te vois presque pas. Oh, écoute. Oh non, la bûche du milieu de l'hiver est déjà arrivée. Faites rôtir les châtaignes. Et faites chauffer le vin. Et tout cela avec mon train. Ce n'est pas le moment traîné. Personne n'a vu Primrose et Wilfred. Ils ont raté la procession. Ce serait quand même dommage de rater l'allumage de la bûche. Je ne les ai plus revus depuis qu'ils sont montés dans le grenier pour pouvoir répéter. Ne nous inquiétons pas. Ils vont apparaître dès qu'ils entendront tout ce vacarme. Et voici le vin à renverser sur la bûche du milieu de l'hiver. Parfait, merci bien. Joyeux milieu de l'hiver. Ils vont mettre le feu à la bûche. Si on ne descend pas tout de suite, on va tout rater. Viens vite. Oh, tiens, mets ça. Par ici. Vite, par là. Et moi, je croyais que c'était par là. Moi, je croyais que c'était cette porte. Primrose,
Par ici. Primrose, comment va-t-on sortir d'ici? Pendant que Primrose et Wilfred tentent désespérément de sortir du grenier, en bas, la grande cérémonie du milieu de l'hiver est sur le point de commencer. Tous nos amis assistent à la scène, en n'ayant qu'une seule et même idée en tête, l'arrivée du printemps. Les flammes commencent à lécher la mousse qui couvre la bûche. Oh, et que la fête commence. Quel régal! On voit que tous ces gâteaux sont faits maison. J'en prendrais bien. Allons, allons, régalez-vous, régalez-vous. Je commence à me faire du souci pour la petite Primrose. Elle ne peut tout de même pas être toujours dans le grenier avec Wilfred. Veux-tu que j'aille voir à tout hasard? Oh oui, s'il te plaît. Considère que c'est fait, ma chérie. Non, c'est pas la peine. On sortira jamais d'ici. Personne ne pourra nous retrouver. Parce que personne ne connaît l'existence de ces escaliers. Primrose! Primrose! Wilfred! Ils ont manifestement fini de répéter. Oh, ils sont certainement en bas quelque part, en train d'attendre de faire leur apparition. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. Nous sommes entrés. Nous devrions pouvoir sortir. Oui, je sais, mais... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier numéro de ce soir sera effectué par notre ami Dusty. Je vais tenter d'effectuer le numéro de jonglage qui m'a rendu célèbre dans ce petit bois. Oh, alors c'est donc ça qu'il nous préparait. Tu les as trouvés? Ils ne sont pas dans le grenier. Je suppose qu'ils attendent de faire leur entrée. Merci infiniment. C'est parfait. Et maintenant, il est temps de passer à mon célèbre jeu d'ombre projetée, mes chers amis. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Eh bien... Primrose, Primrose, regarde. Il semble qu'il y ait une petite modification dans l'ordre de passage des attractions ce soir. J'ai donc l'immense fierté de vous présenter Primrose et Wilfred. Quand les jours raccourcissent, quand les nuits se rafraîchissent, quand le vent est cinglant, quand l'air est vivifiant, sors tes plus beaux habits pour éblouir tes amis. Car bientôt tu découvriras ce qui donne un sens à la vie. Tu peux annoncer la nouvelle à tes parents et tes enfants en déclarant solennellement l'arrivée du printemps. Oh, n'était-ce pas merveilleux? Dites, ravissant ces chapeaux. C'est à ton tour.
Il est particulièrement difficile de succéder à une si belle prestation, mais néanmoins, je n'ai pas trop le choix. Oh, oh, oh. Si nous avons aujourd'hui un poème sur le milieu de l'hiver, c'est grâce à un sourisseau extraordinaire, appelé Cumulonimbus. Le célèbre explorateur. Comme nous le savons tous, Cumulo était censé revenir d'un très long voyage au bout du monde, le jour du milieu de l'hiver, pour demander la main de la princesse Rose. Mais au fur et à mesure que le jour avançait, le retour de Cumulonimbus semblait de moins en moins probable. Après le dîner du milieu de l'hiver, alors que les souris s'amusaient joyeusement, comme nous le faisons ce soir, Rose décida de lire un poème que Cumulonimbus lui avait envoyé. Et au moment où elle allait dire le dernier vers, en déclarant solennellement l'arrivée du printemps, une boule de neige surgit dans le palais. Et une silhouette fantomatique apparut. C'était Cumulonimbus. Et c'est ainsi que Cumulonimbus épousa la princesse. Oh. Et ils vivront beaucoup d'enfants. Moi, j'adore cette histoire. Oh, et moi, je voudrais croire qu'elle est vraie. Je sais, moi aussi. Mais malheureusement, il n'y a jamais eu de preuve que... Une petite seconde. La voilà, la preuve. Mais ce sont les lettres écrites par Cumulonimbus. Et qu'est-ce que je vois? Le poème du milieu de l'hiver. Oh. Primrose, où as-tu trouvé ces lettres? Elles étaient dans le grenier et on a aussi trouvé ces costumes. Oh, regardez, vous portez les mêmes vêtements que ceux du tableau. Alors là, c'est extraordinaire. Où as-tu dit que tu les avais trouvés? Grand-père, qu'en fais-tu des jeux d'ombre? J'espère qu'on ne les a pas ratés. Mais bien sûr que non. Oh, je peux t'emprunter cette cape, Wilfred? Oh, bien sûr. Pour commencer, je vais vous faire... une chauve-souris. Pendant que le brave grand-père amuse ses compagnons avec ses jeux d'ombre, Primrose et Wilfred observent les flammes du feu, tout en pensant aux fabuleux jeux qui les attendent au palais de la princesse Rose, au sommet des escaliers secrets. Mais nos amis commencent à bâiller, et en un rien de temps, ils plongent dans un profond sommeil.